fille. Quoi? Voilà, son nouveau jeu. Ouais, vas-y. La vérité. Ouais. La vérité, elle ressemble à Eminem. Je te promets, elle a la même tête qu'Eminem. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Ça y est, tu as découvert un truc? Non, mais là, beaucoup, là. Ah ouais. Ah ouais. Elle va pas dormir, hein. Tu devrais faire un saut avec ça. Non mais... Te gagner avec ton équipe de marionnettes, gros. Hein? Quand il l'a effacé sans aucun problème. Et voilà, il part, test n'est pas fini. Avec Mbappé, il arrive pas très loin. Frappé de là, et c'était vraiment la bonne décision. Bonjour à tous, bonjour à tutti, j'espère que vous allez bien. Je suis dans mon bain chaud, puisque j'ai mixé toute la nuit, j'ai dormi 5 heures sur le retour, dans le van. Puis là, tranquillou marilou, je me fais couler un bain chaud, ensuite petit déj, ensuite j'habille ma fille, ensuite je mets la valise dans le coffre, ensuite go Marseille, go, j'espère que vous allez bien. Et que vous allez passer un bon week-end. Je vous embrasse, la Fafa. Je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. D'amour. Et de beauté. Vous êtes des cœurs d'amour. Ah, tu veux venir dans le bain avec papa? Et mon cœur. Et oh, papa, maman. Et oh, je me remets. Ouais. Tiens, cœur. Famille, j'espère que vous allez bien. J'ai pas trop snappé aujourd'hui parce que j'ai pas trop dormi. Et après, il a fallu que j'en prépare les affaires pour rentrer sur Marseille. Du coup, on s'est tapé 4 heures de route avec la petite. C'était pas la folie. Elle a fait caca dans la voiture, donc c'était un combat pour changer tout ça. Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Je vais me faire un rafraîchissement de cheveux. Tranquillou Marilou, je crois que je vais tout raser. Je crois que je vais faire la boule à zéro, j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre de mes cheveux. J'ai envie de faire un nouveau look. Peut-être faire la boule à zéro, les gars, je vous le dis. Je suis à deux doigts. Peut-être faire la boule à zéro, les gars, je vous le dis. Je suis à deux doigts. Je vous avais dit que j'allais craquer. Je vous l'ai dit. J'ai des pulsions des fois, mais je crois que je ne me suis pas rasé les cheveux depuis Cancun. Quand Julien m'avait coupé les cheveux. Voilà, je sais pas si ça me va bien, mais en tout cas, j'ai tout coupé. Georgia, papa, il a la même coupe que toi? Des cheveux maintenant. Oui, mais j'ai mis le plastique. On a la même... oui, on a la même coupe de cheveux, toi et moi maintenant. On se sent encore plus, Magati. Eh oui, Magati. Eh oui, Magati. Oui, Magati. Voilà, j'ai dit, il est bizarre, mon père. Nouvelle coupe de cheveux.
j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas beaucoup fait de story. On est à Perpignan. j'étais jamais venue à Perpignan. Bon, pour le coup, je ne peux pas vous dire c'est comment parce qu'on n'est pas trop sorti de là où on est. Paga avait un booking, donc en fait, on est descendu de Font-Romeu, s'arrêter à Perpignan. Donc on est resté à Perpignan avec Georgia, les garçons sont partis en booking et là on les attend ce matin pour repartir à la maison. Donc du coup voilà, comme vous avez compris là, j'ai hâte qu'on rentre à la maison parce que du coup Georgia va pouvoir reprendre ses petites habitudes, son parc, son lit. Et du coup moi je vais pouvoir reprendre un peu une vie parce que du coup c'est vrai que là j'ai été vraiment collée à elle, même si j'adore être collée à ma fille. Vous avez vu, je vous ai partagé que ce contenu là parce que forcément j'ai fait rien d'autre que ça. Je me suis occupée exclusivement d'elle. Georgia, tu sais que le lit parapluie c'est pas fait que pour jouer dedans, tu peux aussi faire des dodos. Pourquoi tu veux pas faire des dodos dans ton lit parapluie, hein? Ouais, tu fais que des gros dodos dans le grand lit avec maman, c'est pas bien ça. T'es pipelette, hein? T'en as des choses à raconter. On va appeler mamie, comme ça tu vas lui raconter. Et papy aussi. Je vous disais que ouais, quand on est à la maison, forcément c'est plus simple parce que elle a son parc, elle a ses habitudes, ses jeux, je la pose dans sa chaise. Elle fait sa sieste dans son lit, là, elle aime pas les parapluies, donc je dois la mettre dans le grand lit, du coup, surveillance non-stop, donc voilà. Et puis, vu qu'elle est à côté, je peux pas faire des stories, parce que du coup, j'ai pas envie de la réveiller. Bref, pas très très pratique tout ça. Et puis voilà quoi, hier, je vous ai partagé un code promo pour Aparajan que j'ai supprimé aujourd'hui, je vais vous refaire la story. Incessamment sous peu là avec l'offre, je vais refaire une story un petit peu mieux. J'ai des bijoux que j'ai reçus, des derniers bijoux qu'on m'a envoyés qui sont très très beaux, donc je préfère vous montrer ces bijoux là des nouveaux bijoux. On a fini le coiffeur. Je suis trop contente de mes cheveux. Franchement, c'est juste que je sais pas me faire de brushing. Sinon, je m'en ferai tous les jours. Ça met grave les cheveux. Genre, ils sont grave brillants et tout. Bon, j'ai rien fait en vrai. Hein. J'ai juste fait un brushing. Par contre, on est sur quelqu'un qui a changé de look. Vas-y, montre, enlève ta capuche. Mais comme il est fier. À la Schofield. Mais comme il est fier. Vas-y, enlève. J'aime trop. Ah ouais? J'aime trop. Tu aimes bien? Ah, j'adore. Bon, je perdais un peu mes cheveux, là. Ça mais monte ta coupe. Monte pas les trous que t'as dans les cheveux. Voilà, ouais. Mais comme il est beau. À la Schofield. Ah non, si, c'est bon. Ah, je voulais vous dire que là, je le trouvais vraiment très, très beau. Ah, okay. Je savais qu'il allait faire ça. Ah,
bébé. Non, vraiment, c'est la coupe que je préfère. Vraiment, ouais. Et quand je fais les pics un petit peu à la Jeans. J'aime bien, mais je préfère cette coupe. Ça fait plus mûr. Ah ben reste sur ça, au moins cet été, bim. Ouais. Petit pic.